We have our masterclass this morning, which is looking at the emerging trends of climate litigation across the African region, the evolving jurisprudence related to the host state, home state, regional human mechanisms in Africa. This session is sponsored by the Zimbabwe Environmental Law Association. As you can see from our program, we're supposed to have three panelists to help us discuss this topic. In front of me, I have Advocate Karu, the PALU president. We'll also be joined by Mr. Richard Bishalanga. He's within the premises but has delayed to join us, so he'll join the session shortly. Our panelists are going to deliver their session in French, so if you don't understand French, you have to sit near a mic so that you can be able to follow the conversation. We have up until 10:30, so I'll now pass on to our panelists to begin the discussion. Thank you. And as your moderator, my name is Matilda Chileshe-Kauma. I'm the current honorary secretary for the Law Association of Zambia. Thank you. Over to you. Merci, Madame la Modératrice. Bonjour, très chers confrères. Merci d'avoir fait des efforts pour être là quand une conférence tire vers sa fin et surtout quand la veille il y a une nuit dansante. On a beaucoup de chance de perdre des panélistes en route. Et nous avons quelques panélistes qui ne sont pas encore arrivés. J'espère que la nuit n'a pas été très violente pour eux et qu'ils finiront par nous rejoindre. En attendant d'avoir le plaisir de les avoir, je vais me permettre d'introduire le propos pour ce matin relativement au changement climatique et on va dire les tendances jurisprudentielles, les tendances des décisions de justice dans le cadre de la protection du climat dans notre continent. Il faut le dire, la lutte contre le changement climatique emprunte de plus en plus la voie judiciaire. Le contentieux climatique s'est multiplié un peu partout dans le monde depuis un certain nombre d'années. Et dans notre continent africain, ce n'est pas la grande affluence, c'est vrai, mais on constate une dynamique qui tend à s'approprier ce type de contentieux. Quelques litiges climatiques ont été enregistrés ça et là en Afrique, et même en dehors de l'Afrique, mais concernant les dommages climatiques connus en Afrique. Ces quelques affaires nous ont permis ou nous permettent de dégager quelques constances dans le cadre de cette tendance jurisprudentielle. La première constance qui se dégage, c'est la judiciarisation affirmée du climat. Vous savez, ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, qui n'était pas d'ailleurs très lointain, les juridictions, notamment en Amérique, un juge du tribunal fédéral de New York, qui avait été saisi dans le cadre d'une affaire contre l'American Electric Power, avait indiqué qu'il ne pouvait pas connaître de ce dossier parce que les questions de changement climatique étaient absolument des questions politiques et que la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises électriques relevait de la sphère politique et non de la sphère judiciaire. Les quelques affaires que nous avons connues en Afrique depuis un certain nombre de temps nous permettent déjà que nous avons au moins franchi ce cap. La question climatique est devenue une question judiciaire. Elle n'est plus classée dans le répertoire des questions absolument politiques. Nous avons connu dans divers de nos pays aujourd'hui des contentieux climatiques qui ont permis aux juges de se saisir du dossier et de statuer. La deuxième constance, après la judiciarisation affirmée de la question climatique, la deuxième constance qui s'est dégagée de la jurisprudence jusque-là enregistrée
et l'admission ou l'admissibilité de l'intérêt à agir des ONG et des citoyens. Là également, pendant un bon bout de temps au début de la chose, les ONG et les personnes individuelles avaient du mal à faire reconnaître leur intérêt à agir devant les juridictions pour protéger le climat. Les décisions qui ont été rendues en Afrique depuis un certain temps ne posent plus ce type de problème. Les ONG et les responsables de certaines communautés ont été admis à intenter des actions pour protéger le climat. La troisième constance qui se dégage de la tendance de la jurisprudence est l'établissement d'un lien étroit, alors très étroit, entre les droits de l'homme et les changements climatiques. Toutes les décisions jusque-là enregistrées, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas un texte contraignant sur la protection du climat. Toutes les décisions qui sont donc enregistrées jusque-là ont essayé de trouver un fondement dans la violation des droits de l'homme. À l'échelle des nations, par exemple, à l'intérieur des décisions nationales des États, nous avons connu au Nigeria un certain nombre d'actions, notamment la célèbre affaire Jonah Mbembre contre le Nigeria, où le représentant d'une communauté autochtone avait saisi les juridictions nigérianes pour demander à protéger l'environnement dans lequel il vivait. Dans cette partie du territoire nigérian, il y avait des entreprises pétrolières, notamment la Shell Petroleum Development Company et la Nigerian National Petroleum Corporation, qui avaient une pratique de torchage du gaz. Ces compagnies brûlaient concrètement le gaz pour le laisser évaporer dans l'atmosphère afin de recueillir le pétrole. Le responsable de la communauté riveraine de ces compagnies a saisi les juridictions à l'intérieur du Nigeria pour demander au tribunal de constater que ces compagnies-là se retrouvaient en train de violer leur droit à la vie et leur droit à la dignité humaine. Donc le fondement de leur action était un fondement sur les droits de l'homme, parce que la constitution du Nigeria n'établissait pas encore formellement le droit à un environnement sain. Ils sont donc partis chercher le fondement de leur action dans la charte africaine des droits de l'homme, le droit à la vie et le droit à la dignité humaine. Ils estimaient que le torchage du gaz mettait en danger et diminuait la vie de leur communauté. Et le juge a fait sien cet argumentaire et a ordonné aux entreprises concernées de restreindre la pratique de cette pratique de brûler le gaz pour le laisser évaporer dans la nature. C'est vrai, cette décision qui a été rendue en 2005 a eu beaucoup de peine à être exécutée parce que la compagnie ou les compagnies pétrolières ont fait de la résistance, mais les responsables de la communauté n'ont pas désarmé. Deux autres personnes, Kenou Sarawiwa Junior et Esther Kiobel, ont saisi cette fois la justice américaine aux États-Unis pour dire que des compagnies multinationales étrangères violaient les droits de l'homme dans leur pays, au Nigeria, et violaient leur droit à la vie et à la dignité humaine. Ils ont saisi les juridictions américaines sur la base d'un texte américain, l'Alien Tort Claims Act, et ils ont fondé leur réclamation, comme je le disais, sur la violation de l'environnement sain et du droit à la vie. La juridiction américaine, cette fois également, a reconnu la compétence de la juridiction américaine à se saisir de ce dossier
parce qu'il s'agissait de garantir l'effectivité du droit international. Et la juridiction a également ordonné aux compagnies Shell et autres de cesser cette pratique. Et je crois qu'à partir de ce moment, cette pratique a commencé à être très restreinte parce que, parallèlement, certaines ONG et certaines personnes ont également saisi les juridictions communautaires contre cette fois-ci la République elle-même. En Afrique du Sud également, il y a eu quelques litiges climatiques. La plus emblématique qui a été portée devant les juridictions nationales de cet État concernait la violation du droit à un environnement sain, qui est cette fois-ci consacré par la Constitution sud-africaine. Il s'est agi d'une ONG Earth Life Africa Johannesburg qui avait saisi la juridiction pour dire et contester l'autorisation environnementale qui avait été accordée par le gouvernement sud-africain à une entreprise Tabametsi qui avait été autorisée à réaliser un projet de centrale thermique à charbon. Et le juge sud-africain a utilisé le concept du droit à un environnement sain qui est prévu dans la Constitution sud-africaine pour interpréter la loi environnementale nationale et indiquer que cette loi ne dégageait pas suffisamment l'obligation d'évaluation des impacts climatiques des projets avant d'en accorder les autorisations. Elle a donc indiqué qu'il fallait que les autorités prennent en compte et que ça soit considéré comme une obligation d'évaluer les impacts climatiques des projets avant d'autoriser d'accorder les autorisations environnementales. Cette décision a été véritablement saluée parce que Tabametsi, la compagnie, a également tenté de reprendre, de faire obtenir une autre autorisation, beaucoup plus, semble-t-il, conforme à la décision de la justice. Mais encore une fois, il s'est buté à la résistance de cette même communauté. Et pour finir, en 2020, les banques qui étaient intéressées par le financement de ce projet de la centrale nucléaire, de la centrale thermique à charbon, toutes ces banques ont constaté qu'il n'était pas de leur intérêt de continuer à s'entêter. Elles se sont retirées du financement du projet et le projet lui-même, l'entreprise, l'a annulé. Après une petite transaction avec les communautés qui étaient plaignantes. Cette décision a marqué un point particulier, on va dire, dans la reconnaissance du droit climatique dans notre continent. Il en est également du même cas au Kenya. Nous avons eu, toujours sur la base du recours aux droits de l'homme, le droit à un environnement sain et le respect de procédures, une ONG, Save Lamu, a saisi également le juge kenyan pour contester l'étude d'impact environnemental qui avait été menée et qui a permis de délivrer à une compagnie dénommée Amu Power Company Limited l'autorisation également de procéder à l'installation d'une centrale thermique à charbon dans la zone de Lamu, qui était d'ailleurs un site protégé par l'UNESCO. Du coup, le juge également a estimé que lorsque l'étude d'impact environnemental a été réalisée mais n'a pas respecté les procédures qu'il faut, on peut considérer que cette étude d'impact environnemental a violé le droit à un environnement sain et on a demandé à l'entreprise de se soumettre à nouveau à une étude d'impact beaucoup plus respectueuse des procédures. Vous le constatez donc, toutes ces affaires climatiques à l'intérieur de ces États, de ces trois États, ont visé pour fondement la violation des droits de l'homme pour parvenir à protéger le climat. Donc,
comme je le disais, la troisième constance de la tendance jurisprudentielle, c'était donc l'établissement d'un lien étroit entre les droits de l'homme et la protection du climat. En Ouganda, il y a eu également des décisions de justice, mais celles-là sur un autre fondement, ce n'est plus le droit de l'homme qui ont été mises en avant. En Ouganda, une affaire assez ancienne qui a opposé une communauté représentée par un certain Simbabazi Jonathan à la République de l'Ouganda. Une affaire assez ancienne de 2012. Il a saisi la High Court of Uganda pour demander de reconnaître que l'État ougandais avait une défaillance fautive dans le respect de ses engagements relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était en 2012. Le fondement ici, c'est le non-respect par l'État des engagements souscrits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une autre affaire, beaucoup plus récente celle-là, a été portée non plus devant les juridictions ougandaises, mais en Europe, par les ONG ougandaises, pour un projet qui devait se passer en Ouganda, c'est d'ailleurs tout récent, le projet de Tulinga, où le groupe Total Energy et un autre qui se sont retrouvés dans le projet ICOP. Le ICOP, c'est le projet de pipeline de l'Afrique de l'Est qui part de l'Ouganda jusqu'à l'océan Indien en traversant la Tanzanie. Un projet gigantesque financé par la Chine. Et à l'occasion, les ONG, quatre ONG ougandaises auxquelles se sont associées deux ONG françaises ont porté le recours devant le tribunal de Paris cette fois-ci sur la base d'une loi française assez récente sur le devoir de vigilance qui impose aux sociétés multinationales de veiller à ce que les sociétés de leurs filiales qui opèrent ailleurs qu'en Europe respectent les engagements des États en matière de protection du climat. C'est sur la base de cette loi française portant sur le devoir de vigilance que ce recours a été porté contre le projet ICOP mené par les multinationales Total Energy et bien d'autres. Le recours a été, il vient d'ailleurs d'être jugé par le tribunal de Paris en février dernier, où cette fois-là, les ONG ont été déclarées, leur action a été déclarée irrecevable pour des questions de procédure, parce que le tribunal a estimé que le recours initial qu'ils avaient porté dans leur mise en demeure, le recours gracieux, on peut dire, est différent du recours qui a été porté devant le juge plus tard. Donc c'est une question de forme, à mon avis, qui a fait que en février dernier, les ONG étaient déboutées sur cette action. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu un autre rebondissement concernant cet autre procès. Je le disais donc, sur le plan national, il y a donc eu toutes ces jurisprudences dont la tendance a été dégagée. Sur le plan régional également, on constate de plus en plus des actions qui sont portées pour protéger le climat, tenter de protéger le climat. Il est dit au Nigeria, on a déjà évoqué le cas de ces deux décisions nationales du Nigeria, l'une rendue par le tribunal du Nigeria contre la société Shell, l'autre rendue par un tribunal new-yorkais contre la société Shell, mais opérant au Nigeria. Il y a eu également la Commission africaine des droits de l'homme, qui a été saisie par des groupes d'activistes au Nigeria. La Social and Economic Rights Action Center, la CERAC, avait saisi la Commission africaine des droits de l'homme pour dire et faire constater que le Nigeria, en laissant les entreprises pétrolières faire ce qu'elles font dans
le territoire du peuple Ogoni était en train de violer lui-même la Charte africaine des droits de l'homme, parce qu'il ne doit pas négliger de fournir ou de... Il doit pouvoir fournir un environnement sain aux populations qui habitent cette localité. Eh bien, vous le savez, la Commission africaine des droits de l'homme avait déjà, depuis relativement longtemps, pris une résolution, la résolution numéro 153 de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, sur les droits de l'homme et le changement climatique. Elle avait elle-même déjà donc fait le lien entre le changement climatique et la violation des droits de l'homme. Il ne lui a donc pas été très difficile, sur la base de sa propre résolution, de rendre une décision dans cette affaire qui opposait la CERAC au Nigeria pour demander au Nigeria de veiller à ce que ces multinationales pétrolières cessent ces pratiques qui sont des pratiques à l'encontre des droits de l'homme. Il y a donc également le même État, le Nigeria, qui avait été attrait devant cette fois-ci la Cour de justice de la CEDEAO par un autre groupe activiste, la Socio-Economic Rights and Accountability Project, SERAP, toujours sur la base des omissions ou de l'insuffisance d'action de l'État du Nigeria. En fait, tous ces activistes et toutes ces ONG estiment que le gouvernement au Nigeria est relativement complaisant avec les sociétés multinationales pétrolières qui font ce qu'elles veulent au détriment du climat et au détriment du droit à la vie et à la dignité humaine des peuples autochtones de certaines régions pétrolières. Là également, la Cour de la CEDEAO avait, en 2012, ordonné au gouvernement du Nigeria de prendre toutes les mesures pour tenir les compagnies pétrolières désormais responsables de pollution sur le delta du Niger. Voilà, en gros, les quelques jurisprudences qui ont été rendues, que ce soit dans les pays africains, que ce soit par la Commission africaine des droits de l'homme à l'échelle régionale, que ce soit par les juridictions internationales, pas internationales, les juridictions étrangères, comme le cas par exemple de la décision du juge de New York qui concernait des activités de pollution qui s'est passée au Nigeria. Donc, toutes ces tendances, toutes ces jurisprudences, comme je l'ai dit à l'introduction, nous ont démontré une tendance bien fixe. La question du climat, contrairement à ce qu'on a pensé au début, est désormais une question justiciable. Ce n'est pas une question politique, comme l'avait dit une première décision de justice en Amérique il y a quelques années. La question du climat est une question qui permet maintenant aux personnes physiques privées d'avoir intérêt à agir. Le seul problème aujourd'hui devant les juridictions, véritablement, c'est la démonstration du lien de causalité. Sur ce point, jusqu'à présent, beaucoup de décisions restent sceptiques parce qu'elles considèrent que si, du fait par exemple de l'activité de Shell au Nigeria, il y a une émission de gaz à effet de serre, les juridictions estiment que ce n'est pas juste ou ce n'est pas équitable de dire que ce n'est que l'activité de Shell qui a pollué l'environnement. Parce que même les véhicules qui roulent dans la ville contribuent également à une part peut-être pas significative, mais contribuent quand même. Donc le juge, en termes de lien de causalité, demeure encore aujourd'hui assez sceptique dans beaucoup d'affaires. Ils estiment que c'est véritablement immatériel, on ne peut pas mettre sa main au feu, que c'est l'activité de telle compagnie pétrolière plutôt que l'activité de telle autre qui a fait que la pollution se retrouve en l'air. Et sur ce point également, de plus en plus devant les juridictions, on essaye d'évoquer des théories de liens de causalité alternatives, que chacun prenne la proportion de ce qu'il a envoyé à travers d'autres théories que la doctrine essaye d'élaborer, en disant que dans une, par exemple, dans une histoire de marché, par exemple, en droit de concurrence, pour faire certaines analyses, on a la possibilité d'analyser la part de marché qu'occupe chaque entreprise dans une infraction d'abus de position dominante ou de concentration. Alors, ils se disent qu'appliquant la même théorie dans l'environnement, on peut
à travers la part de marché que détient chaque entreprise multinationale pétrolière sur le marché pétrolier, essayer de faire le rapprochement en disant « Ok, elle détient telle part de marché », ça veut dire que sur la masse de gaz à effet de serre qui est contestée, elle a donc cette autre part. Donc il y a comme ça des raisonnements qui naissent, mais il faut le dire sur ce point, c'est encore en pleine construction. Il n'y a pas une décision véritablement assise sur ces choses. C'est pour cela que la plupart des décisions se contentent de faire tout simplement les liens avec la violation des droits de l'homme, en estimant que quand on a pollué l'environnement, on a violé le droit à un environnement sain, on a violé le droit à la santé des populations, et c'est une violation des droits de l'homme. On sanctionne la violation des droits de l'homme, mais en sanctionnant cette violation des droits de l'homme, on protège le climat. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire sur les tendances des différentes décisions qui sont intervenues dans notre continent, la dernière étant celle que toutes ces jurisprudences, que ce soit dans notre continent ou ailleurs, tentent véritablement à attribuer à l'État les émissions qui proviennent de son territoire. Parce que, souvenez-vous, depuis l'accord de Paris, sur le climat, les États ont pris des engagements formels de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur territoire à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius et à faire leur possible pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 degrés Celsius. Du coup, sur la base de cet engagement pris dans l'accord de Paris, chaque État est donc tenu responsable par ses décisions de ce qui se passe dans son territoire. Même si l'émetteur lui-même, c'est peut-être une multinationale qui a envoyé une filiale là-bas, c'est l'État qui est un peu le garant de cela. Donc l'intérêt, la tendance de toutes ces jurisprudences, c'est de mettre l'État en avant, de le mettre face à ses responsabilités pour qu'à l'intérieur, il organise sa cuisine vis-à-vis des multinationales qui pratiquent et qui opèrent chez lui. Ceci étant dit, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a bien reconnu dans son dernier rapport publié l'année dernière l'importance de l'activisme judiciaire dans la protection climatique et dans la gouvernance climatique en général. Voilà, Madame le modérateur, très brièvement ce que je voulais dire sur les tendances jurisprudentielles de ces dernières années concernant la protection du climat. Je vous remercie. Thank you so much for that insightful presentation. I'll now invite Mr. Bishalanga to come and give us his presentation. I'll give you the next 25 minutes. Thank you. Merci, Madame, pour la parole nous accordée. En fait, je tiens d'abord à présenter mes excuses pour le retard avec lequel je me suis présenté pour raison d'aléas de transport. Veuillez accepter mes excuses. J'avais déjà porté l'excuse en signalant que la nuit dansante d'hier était très forte. Ah oui, merci. On a très bien beaucoup compris que la RDC ne pouvait pas être à l'heure ce matin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, chers confrères honorés estimés, c'est pour nous un plaisir de présenter ces brefs exposés sur les changements climatiques. Bien sûr que oui, le premier intervenant, notre président, a donné la quintessence sur les tendances dominantes et sur les jurisprudences en matière des contentieux sur le changement climatique. Alors, je ne sais plus revenir sur cela parce que la jurisprudence sur les litiges climatiques n'est pas assez abondante, comme le président venait de le dire.
Et je préfère plutôt enrichir le débat en abordant la question sur les notions même des changements climatiques et sur le droit de l'environnement en Afrique. Parce que c'est sur base de ce droit-là que naissent des conflits qui appellent à l'intervention des juridictions pour nous produire des jurisprudences ou pour mener des actions judiciaires tendant à la protection du droit de l'homme relatif à l'environnement sain que l'on doit faire bénéficier au peuple. Ce faisant, nous devons d'abord, en tant que juristes, nous fixer sur certaines notions, parce qu'on entend parler des changements climatiques, mais les changements climatiques même, c'est quoi? C'est là que doit commencer à se situer la base de nos interventions, puisque en tant que juristes, nous avons l'obligation de défendre, et on ne peut défendre que quand on maîtrise bien certaines notions. Alors, dans des termes très simples, je ne sais pas entrer dans des décisions, dans des définitions scientifiques, les changements climatiques, ça s'appréhende comme des variations de température et des modifications des conditions météorologiques. Et en des termes beaucoup plus simples, quand on parle des changements climatiques, on a tendance à parler du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est l'augmentation des températures. Quand il y a augmentation des températures, là, on se dit qu'on fait face au changement climatique. Et il y a un terme qui revient toujours dans le changement climatique, c'est le gaz à effet de serre. Alors, je voudrais que nous puissions bien comprendre c'est quoi l'effet de serre. L'effet de serre, pour ne pas vous embrouiller avec des termes scientifiques, je voudrais y aller par une illustration pour vous faire comprendre en quoi consiste l'effet de serre ou bien il se manifeste comment. Quand vous prenez votre voiture, vous l'exposez au soleil, vous fermez et vous venez entrer, il y a une grande chaleur qui vous accueille. Vous avez même du mal à tenir devant cette chaleur-là. C'est ça, au fait, l'effet de serre. Et c'est ça que les gaz à effet de serre font subir à l'atmosphère, à l'ozone, et ça détériore, ça augmente la température, et il y a beaucoup de conséquences. Et si cela est bien saisi, il y a l'augmentation de la température qui a commencé à être observée de par le monde au fil des années, avec comme année de référence 1880, où on a commencé à enregistrer les températures ou les variations des températures. À cette époque-là, on est parti de 0,07 en 1880 pour enregistrer 0,18 degrés Celsius en 1981. Et l'année qui a marqué le record des hautes températures, c'est l'année 2019. À partir de 2019, c'était vraiment la hausse des températures avec 0,95 degrés Celsius. Et à partir de 2019, c'est compliqué. 2020, très compliqué. 2021, 2022, même 2023, les températures ne font qu'augmenter. Alors, quelles sont les causes des changements climatiques? Les causes des changements climatiques sont diverses, mais toutes ces causes-là sont liées aux activités de l'homme, aux activités anthropiques. Et vous avez même suivi le président, il a évoqué les jurisprudences au Nigeria. Il y a des actions qui ont été menées contre les entreprises pétrolières. Donc, parmi les causes des changements climatiques qui découlent des activités de l'homme, on place en première position les combustibles fossiles, donc il y a le pétrole et autres qui polluent beaucoup plus l'atmosphère. Et au-delà de ça, il y a l'agriculture itinéra sur brunus, il y a le feu de brousse, il y a la déforestation,
Tout ça, il y a plusieurs causes des changements climatiques. Maintenant, quelles sont les conséquences des changements climatiques? Les changements climatiques posent des préjudices à notre environnement. On assiste à des inondations, à la sécheresse, il y a la disparition de certaines espèces, des espèces endémiques, des espèces fauniques comme floristiques qui disparaissent. Il y a même certaines eaux, il y a assèchement de certaines rivières. Nous avons entendu il y a très longtemps du débat autour du lac Tchad. Le lac Tchad s'est asséché. C'est parmi les conséquences des changements climatiques. Alors, quelles sont les solutions au changement climatique? Les solutions au changement climatique sont aussi de divers ordres. Et parmi ces solutions, on peut dénombrer la lutte contre la déforestation, les interdictions de feux de brousse et le fait de privilégier les transports les moins polluants, le fait de recourir aux énergies propres et que sais-je encore. La lutte contre l'exploitation illicite des forêts et si telles sont les remèdes ou les solutions au changement climatique, revenons-en maintenant au droit de l'environnement en Afrique. L'environnement. Pour parler du droit de l'environnement, nous devons comprendre l'environnement même c'est quoi. En fait, dans des termes beaucoup plus simples, l'environnement, je dirais, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Donc autour de nous, nous avons des rivières, nous avons des arbres, nous avons des animaux et nous avons des hommes aussi. L'homme aussi fait partie des éléments de l'environnement. L'homme ne doit pas être exclu. Et tout ce qui nous entoure, qui est susceptible à nous faire vivre, qui nous donne des moyens de notre existence, c'est ça que nous appelons environnement. Parce que je ne voudrais pas baigner dans des définitions scientifiques qui nous troublent et qui nous amènent à ne pas bien cerner le sens de l'environnement. Maintenant, le droit de l'environnement, c'est l'ensemble de ces règles-là qui tendent à supprimer les effets néfastes qui détruisent l'environnement et à protéger l'environnement. C'est ça, le droit de l'environnement. Alors, les droits de l'environnement étant ainsi définis, il y a les problèmes de l'environnement. Les problèmes de l'environnement sont liés aux causes des changements climatiques. Donc, les causes des changements climatiques, ce sont maintenant les problèmes de l'environnement. Ce sont les problèmes-là qui ont fait à ce que l'on puisse créer le droit à l'environnement. Maintenant, nous ne pouvons plus y revenir puisque nous avons évoqué déjà les causes des changements climatiques. Maintenant, puisque nous savons les causes, les problèmes de l'environnement, il y a quelque chose sur quoi je voudrais mettre un accent grave. Ce sont les principes de l'environnement. Donc, le principe même du droit de l'environnement. Alors, le droit de l'environnement repose sur certains principes. Et parmi ces principes, nous trouvons les principes des précautions et des préventions. Le principe des précautions voudrait que quand on voudrait exercer une activité, quand on voudrait créer une entreprise ou entreprendre quelque chose, que l'on puisse évaluer en avant, que l'on évalue en avant de manière empirique les conséquences de cette activité-là sur l'environnement afin de prendre des mesures idoines pour protéger l'environnement. Et le principe de prévention, là, c'est beaucoup plus, on ne tâtonne pas, on a fait des évaluations. C'est beaucoup plus dans les entreprises minières pour éviter que le rejet, l'eau qui vient des usines de flottation puisse polluer l'environnement. On crée les bassins de flottation, les bassins de décantation, là où on stocke les eaux qui détiennent de l'acide pour que ces eaux-là ne puissent pas ruisseler vers l'environnement afin de ne pas polluer. Voilà le principe de prévention. Parce que si on viole ces principes-là, c'est là que les contentieux naissent.
Vous avez vu, le président a évoqué le problème des entreprises pétrolières qui ont été déférées en justice, qui ont été même condamnées. C'est sur base de ce principe-là. Quand on ne respecte pas, il y a un contentieux qui naît et la justice va être mise en action. Et il y a aussi le principe des pollueurs-payeurs. C'est un concept auquel on est habitué. Donc, celui qui pollue, il doit payer. Mais il se pose un problème sur ce principe-là, parce qu'en Afrique, on n'a pas des appareils pour quantifier le degré et le niveau de la pollution. Le problème se pose, puisque quand vous astrayez une entreprise en justice, qu'elle est en train de polluer, il faille prouver pour convaincre la religion du juge afin que cette infraction soit établie. Il y a aussi le principe d'information et de participation du public. Les droits de l'environnement voudraient que le public, le souverain, que le peuple soit informé sur les études d'impact, donc les études d'évaluation d'impact environnemental. C'est là que vous avez vu le président évoquer des communautés, des ONG qui ont traduit, surtout au Kenya, qui ont traduit l'État en justice pour contester les conclusions des études d'impact de l'environnement, que non, ça ne valait pas la peine, ce n'était pas concluant, il fallait à tout prix protéger l'environnement. Là, il y avait un problème d'information et de participation du peuple. Donc, quand on voudrait installer quelque chose, ce principe voudrait que le peuple soit informé, que le peuple soit associé pour éviter des contentieux. Il y a aussi le principe de non-régression. Le principe de non-régression voudrait que, quand on a posé une action de protection de l'environnement, on va crescendo, donc on va de l'avant, on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Quand on mène des actions de protection de l'environnement, on doit toujours aller de l'avant. Ce sont là les principes qui gouvernent le droit de l'environnement. Maintenant, le droit de l'environnement ou l'environnement en soi est transversal. Puisque c'est transversal, il est en compétition avec plusieurs branches. Il est en compétition avec plusieurs branches. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans la définition du droit de l'environnement. Et le droit de l'environnement est dans plusieurs secteurs. C'est là que nous trouvons les éléments liés à l'environnement même. Là, on trouve le droit des forêts, le droit du sol, le droit de la mer, le droit de la biodiversité. Il y a la réglementation de l'activité humaine. Là, on trouve le droit à l'énergie, le droit à la chasse, le droit à la pêche. Il y a aussi des éléments qui visent à limiter la pollution. Et c'est là qu'on trouve le droit des bruits, les risques des majeurs, industriels et naturels. Sur le droit des bruits, je voudrais attirer notre attention. Parce qu'on a comme l'impression que les bruits, alors qu'ils constituent une pollution majeure, c'est comme si on a tendance à les accepter. Vous voyez, dans nos villes, on trouve des débits de boissons un peu partout, avec des volumes, vous n'avez pas idée. Ça pollue notre environnement. Et d'ailleurs, selon les experts, la pollution sonore tue beaucoup plus que la pollution des nitriques. Alors, si vous suivez bien, même dans la jurisprudence sur le droit de l'environnement, elle n'est même pas documentée en ce qui concerne le bruit. C'est comme si on n'attrait pas en justice les gens en matière de violation de ce droit-là, de bruit. Parce que dans tous les pays, dans toutes les villes, il y a une réglementation spécifique sur les bruits. Mais cependant, il n'y a pas d'action en justice sur base des bruits. C'est quelque chose sur quoi nous devons nous réveiller. Maintenant, venons au droit de l'environnement en Afrique. Et c'est là que je voudrais terminer. Le droit de l'environnement en Afrique. J'ai donné les définitions des changements climatiques, les causes, les solutions. J'ai donné la définition de l'environnement, du droit de l'environnement, les principes de l'environnement,
les problèmes de l'environnement que j'ai reliés, que j'ai ralliés aux causes des changements climatiques, j'ai parlé aussi des principes de l'environnement. Et même des branches de l'environnement, en soulignant que l'environnement, c'est une discipline transversale, centre un peu partout. Maintenant, parlons du droit de l'environnement en Afrique, puisque nous connaissons déjà le droit de l'environnement, c'est quoi. Maintenant, on puisse sectoriser ça au niveau de l'Afrique. Pour bien comprendre que le droit de l'environnement en Afrique existe, nous devons en savoir les sources, puisque le droit, c'est une jurisprudence qui doit être alimentée par des sources. Parmi les sources de droit de l'environnement en Afrique, nous avons la Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui a été prise en Algérie, depuis 1968. Figurez-vous, depuis 1968, en Afrique, on a commencé déjà à réglementer l'environnement. Et après cette convention, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme de 1981 à Nairobi, à son article 24 qui a été évoqué par le président, qui consacre déjà parmi les droits des peuples le droit à l'environnement. Donc, ils ont reconnu le droit à l'environnement comme un droit des peuples. Donc, le peuple a droit à un environnement sain, à un environnement propre pour se mouvoir, pour se développer. Il y a aussi, aux côtés de cela, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec ces deux consoeurs, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur la désertification. Et de là, le droit de l'environnement africain a aussi reposé à un moment sur le protocole de Kyoto, qui a été remplacé par l'accord de Paris, à quoi a fait allusion le président. Et il y a les traités internationaux, bilatéraux, multilatéraux, et aussi les lois internes. Parmi les lois internes, les lois nationales, on trouve comme en République démocratique du Congo la loi fondamentale sur les principes généraux, la loi portant principes généraux de protection de l'environnement. C'est là qu'on trouve même des sanctions. Quand il y a telle déviation, quand il y a telle violation, il y a même des sanctions pénales. Et des sanctions sont sévères. Mais dommage, la loi est là, mais la jurisprudence en matière de violation des droits de l'environnement en République démocratique du Congo est presque inexistante. Alors c'est pourquoi nous devons nous réveiller. Le droit est là, l'environnement est en train d'être violé, ou bien l'environnement est en train d'être détruit, allais-je dire, mais on n'intente pas de procès. Vous avez même vu, au niveau de l'Afrique même, il n'y a que 6 affaires qui ont été enregistrées, mais 3 affaires ont été documentées. Les affaires qui étaient évoquées ici au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda, c'est pas donc... On trouve que nous sommes des complices de la destruction de notre environnement parce qu'on ne dénonce pas. C'est pourquoi la jurisprudence n'est pas abondante. Ce n'est pas les lois qui manquent, mais c'est le problème de dénoncer, c'est le problème de porter les affaires devant la justice. Ne prenons pas les questions environnementales comme étant des questions d'ordre politique. Il y a déjà la judiciarisation des problèmes environnementaux. Nous devons apprendre à les porter devant les juges pour que ceux-là qui détruisent l'environnement, ceux-là qui ne respectent pas les lois établies relativement à l'environnement, répondent de leurs responsabilités en la matière. Alors, le droit de l'environnement s'est beaucoup développé. L'Afrique, notre pays, est vraiment une pionnière en matière d'environnement. Parce que laissez-moi vous le dire, c'est en Afrique où pour la première fois, on a eu une convention sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles depuis 1968, comme on l'a dit. C'est encore en Afrique où on trouve l'unique siège des Nations Unies. L'unique siège des Nations Unies qui se trouve en Afrique, c'est le programme des Nations Unies sur l'environnement. Ça se trouve en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, elle est plus pionnière dans la protection de l'environnement. L'Afrique menace moins l'environnement que les autres continents. Et aussi, c'est toujours en Afrique, et là, en RDC, où fut lancée en 1975, l'initiative de la Charte mondiale de la nature approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 octobre en 1982. La première consécration, la première consécration juridique du droit de l'homme à l'environnement comme droit des peuples se trouve à l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme adoptée à Nairobi en 1981. Alors, je trouve que, avec tout ça, le droit de l'environnement en Afrique existe. Au niveau régional, il y a des traités, il y a des conventions, mais le problème, c'est la volonté d'appliquer ces normes qui existent pour protéger l'environnement. Et nous, en tant que juristes, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons nous lever pour dénoncer et défendre les communautés qui sont victimes des changements climatiques pour que les responsables répondent de leurs faits. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire pour compléter le président afin d'engager le débat et de l'enrichir. Je vous remercie. I thank you so much, Mr. Bishilanga, for that presentation. Due to our time constraint, I'll take only three sets of questions. Three in three, it's only two sets so that we can go for our break. So if anyone has a question, comment, I've got the gentleman at the back there, I've got the lady there and there. I'll start with you in the second session so we can take our first set of three. Don't know who's helping me with the microphone. I can start. Yes. I can proceed? Yes, please. Okay, thank you. So, I think first and foremost, we need to acknowledge that the issue of climate change and environmental degradation is something that needs urgent attention. Most of the consequences have already been adequately highlighted, perhaps I should add. And in that regard, mine is a contribution, and there's a question attached to it. And as a way of getting started, I would like to make reference to one of my favorite quotes. It states that the best way of removing a cobweb is to kill the spider. Essentially, what that means is whenever we're dealing with an issue, we must always distinguish the symptom of a problem from the underlying problem itself. And in that regard, as we debate and look for solutions pertaining to climate change and environmental degradation, I think we must identify the underlying problem. And I have come up with a hypothesis, if you like, a suggestion of what constitutes the underlying problem in this regard. I have three issues that I'd like to point at. Firstly, I think companies that indulge in activities that degrade our environment and contribute to climate change are mostly fined. That on its own is an underlying problem because they can afford those fines. So as a solution, why don't we criminalize things related to climate change and environmental degradation? That way it's more deterrent and people will be scared to be involved. And as we pursue that avenue, we must identify the real decision makers,
not the people who are just sent to carry out these orders. That's my first suggestion. My second suggestion is to do with the underlying problem. The second underlying problem is that these activities are rewarding. Companies who indulge in activities that degrade the environment, contribute to climate change, they'll still make profit because we allow them to take their products to market. So as a way of curing that underlying problem, why don't we get to a place where we come up with a legal framework which blacklists any product which is a creature or a product of an undertaking which has degraded our environment and has heavily contributed to climate change? We know of certain countries in Asia that heavily pollute the environment. We keep buying their products. So in essence, what we are saying is, yes, you are polluting the environment, but we want to reward you by buying your products. So we should get to a point where we legislate firmly and we blacklist these products as well as certain companies. Then thirdly, I think also we must also get to a point where, as a way of killing the spider, we try to discourage people from buying products associated with these companies. For instance, there could be a sanction attached to people who want to continuously do business with products that are known to be a product of environmental degradation and a high contributor to climate change. So in that regard, and in concluding, I would say that we need a very comprehensive legal framework, which I think is doable, to take care of those three aspects which I have pointed out. And in that regard, my question to the presenters would be, in your considered view, do you think those options are doable? Thank you. Okay, thank you so much. We'll take your question at the back there, Jen. Hello, good morning. My name is Leroy Wilson, Jr. I am an American. I now live in Botswana. And by way of some kind of environmental experience, I was IBM's first environmental lawyer when the Clean Air Act and the Clean Water Act were passed in the United States. But I just want to make a few quick observations by way of sharing some information. Number one, the United States Department of the Interior in the 1950s had published a book summarizing the petroleum laws of the world, as I remember. And basically what it said is that if companies went into a country and destroyed the environment, that they had a responsibility to restore it to its original condition. That's number one. Number two, I want to call your attention to a case, in case you haven't heard of it, which is, let me just pull this up. Which is called JAM versus International Finance Corp. And in that case, there have been a couple of decisions that I'm aware of. Number one, this is the United States Supreme Court from 2019, which ruled that international organizations such as the World Bank Group's financing arm, the International Finance Corporation, can be sued in U.S. federal courts for conducting or for conduct arising from their commercial activities. That's number one. Number two, in that same case, the court that was involved has upheld the complaint against the a motion to dismiss. And essentially what happened in that case is that the IFC had financed some power plants in India which destroyed the environment and living conditions of the people who lived in that particular area. And part of the theory is that the
the finance company should have known that the projects that they were financing were going to cause serious environmental harm. Thirdly, in the British Virgin Islands recently, J.P. Morgan Chase, which is a huge bank, settled two lawsuits related to their financing of Jeffrey Epstein's sex trafficking operations when they knew what was happening as a result of the use of their money. There were at least two lawsuits brought. Both of those lawsuits settled for several hundreds of millions of dollars. J.P. Morgan Chase settled those cases. In my opinion, those cases stand for the proposition that if there's a financing operation which is going to finance an activity which causes great human injury, then those finance organizations can be held liable. Again, in South Africa, there was the Securities and Exchange Commission settlement of a case against Hitachi. And Hitachi had been accused of furnishing money to the Chancellor House, an investment arm of the African National Congress, essentially for what looked like a bribe, but the issues on bribery were not determined. However, the SEC, the United States Securities and Exchange Commission, which had jurisdiction over Hitachi in this particular case, found that Hitachi had violated the accounting provisions of the Federal, the Foreign Corrupt Practices Act, basically by mischaracterizing on their books the payments that they had made to Chancellor House. My recollection is that Hitachi in that case was fined and settled for $19 million. Sorry, I'll ask you to just be brief and go straight to the point because I need to take more questions, so if you could wind up for us. Okay, I will. There are two points. Number one, that companies that finance operations which cause serious human injury can be sued. Number two, in Uganda, with respect to the pipeline, after the oil companies had come up with their various assessments and what could and could not be done in transporting that crude oil, President Museveni had his own people come in and do their study, which differed from the studies that the company had made. So the lesson there is that the company assessments don't have to be accepted. That's enough. Thank you. Thank you so much. I'll take the third question, and then I'll pass it over to the panelists. Thank you. Okay, thank you for that very rich presentation that came from the two presenters. I just wanted to make two comments and also pose a question. I'm Rose with Zimbabwe Lawyers for Human Rights. So what I've noticed is that one of the main challenges that we have in Zimbabwe and possibly other African countries is that some of our countries have laws on protecting the environment. We have a requirement on environment impact assessments to be done before any activity is taken up. But what we have seen is that when the Chinese companies come in, that is not followed. So they are now causing chaos, particularly in the rural communities where they are mining, and they are not compensating the local communities. And it's a big problem to get them to comply and for government to enforce that against the Chinese companies. And then I also wanted to make a comment that there's a challenge that we have as lawyers, because we know about climate change and what the environment is going through. But we tend to find that we are having construction that is being done on designated wetlands that are designated under the Ramsar Convention. And in Zimbabwe, we filed more than 20 cases, taking other lawyers to court because their clients are actually constructing on designated wetlands, and that is going to affect groundwater and eventually access to water. So the problem is also with the lawyers. Thank you. Thank you so much. I'll allow the panelists to respond, and I'll take the next three after the panelists have responded. I'll start with you in the next set. Thank you. Merci, Madame la Modératrice. Merci pour vos interventions, commentaires et questions.
Notre confrère qui a parlé en premier nous a proposé trois options et nous demandait à notre avis quelle serait la meilleure, si j'ai bien compris son propos. Il se demandait pourquoi ne pas tout simplement criminaliser l'atteinte, toutes les atteintes au climat et à l'environnement par les entreprises qui polluent. Pourquoi ne pas en faire des actions criminelles dans nos législations? Il a une autre option qu'il proposait, pourquoi ne pas blacklister, c'est-à-dire mettre sur une liste noire tous les produits et toutes les entreprises qui sont réputées polluantes. Et la troisième option, il se demandait pourquoi ne pas inciter au boycott des produits et des entreprises polluantes. Et selon lui, pour les présentateurs des panels de ce matin, qu'est-ce que l'option que nous pensions être la meilleure? Je pense que toutes peuvent se joindre, mais il ne faut pas perdre de vue que les entreprises que nous considérons comme polluantes, c'est que dans le rapport, ils ont appelé les major carbons, les 40 entreprises qui ont été répertoriées par un rapport très scientifique comme étant les plus grandes pollueuses du monde. Il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne se laissent pas faire. Elles ont un lobby assez actif et pratiquement à tous les sommets internationaux où il faut discuter du climat pour protéger le climat, elles envoient un lobby très puissant pour justifier la nécessité de leur action, elles aussi. Elles dépensent beaucoup d'argent pour contrecarrer le mouvement de protection du climat. Et ils sont régulièrement, leurs lobbies sont souvent très présents dans les COP. Quand vous allez au COP qui s'est tenu, par exemple, tout récemment en Égypte, vous allez voir en marge des personnalités qui sont là pour prendre des textes pour protéger le climat. Il y a également des lobbies, des entreprises polluantes qui sont là avec des études scientifiques qu'ils ont financées, qui tendent à montrer qu'en réalité, leur action n'est pas si mauvaise que ça. Donc voilà la force de lobby qui se cache derrière ces choses-là et qui va être, à mon avis, le point d'obstacle si on devait arriver à créer des blacklists, parce que les lobbies vont se contrebalancer. À mon avis, la meilleure option serait, comme vous avez dit, de proposer de criminaliser les attitudes. Et sur cette option, il y a déjà une réflexion qui se pose. La procureure de la CPI qui est partie avait déjà évoqué que les atteintes à l'environnement, les atteintes au climat pouvaient être poursuivies. Les dirigeants des entreprises polluantes, on pouvait étudier les liens qui pouvaient amener qu'on les poursuive devant la CPI. Donc c'est encore au stade des réflexions, c'est des discussions qui ont été posées par le procureur de la CPI. Mais comme je vous dis, il faut toujours avoir à l'esprit que ce combat pour le climat est toujours contrebalancé par la force des lobbies des entreprises polluantes. Les deux vont ensemble. Maintenant, sur l'intervention de notre confrère des États-Unis qui se demandait pourquoi ne pas tenir pour responsables les banques qui financent les projets climaticides. Le texte qui les tient pour responsables peut-être n'existe pas, mais la force des ONG qui se battent et qui saisissent les juridictions en essayant de démontrer par d'autres mécanismes juridiques leur responsabilité, ces actions ont commencé déjà à être entreprises. Il y a présentement une action qui est pendante en France contre la Banque nationale de Paris, la BNP, parce que la BNP aurait été, selon les poursuivants, complice de l'atteinte à l'environnement en ayant financé un projet de construction d'un aéroport qui serait très polluant. Voilà, la procédure est présentement pendante en France contre la banque française qui a financé ce projet.
Donc, de plus en plus, je pense qu'on va y aller dans ce sens-là, en décourageant ceux qui s'apprêteraient à financer des projets véritablement climaticides. Et je vous ai donné le cas de la jurisprudence en Afrique du Sud, où dans le projet Tabametsi, après avoir obtenu de la justice l'annulation de l'autorisation gouvernementale qui avait permis à cette compagnie d'installer sa centrale thermique, les procédures ont été tellement longues que les banques qui finançaient ce projet ont décidé de se retirer. Et quand elles se sont retirées, la compagnie elle-même a annulé son projet. Donc je pense qu'on va aller progressivement vers cela. Et peut-être que je vais laisser la parole à mon copanaliste pour me compléter. Merci. Et par rapport à la réglementation sur les produits qualifiés de dangereux, par exemple, en République démocratique du Congo, c'est comme je l'avais évoqué quand j'étais en train de donner les liminaires de mon exposé, il y a déjà une loi portant principes fondamentaux et relatifs à la protection de l'environnement. Dans cette loi-là, au niveau national de la RDC, on a déjà énuméré certains produits qui ne doivent pas franchir la frontière pour entrer à l'intérieur du pays. Et si ces produits-là entrent, celui qui les a amenés doit les retourner d'où il les a emportés. Ou s'il y a une usine qui produit des substances de nature à polluer l'environnement, il doit prendre des mesures idoines pour corriger, sinon il y a des sanctions. On n'a pas prévu seulement des amendes, il y a même des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Donc c'est déjà codifié. C'est que les efforts pour protéger l'environnement, tous les manquements sont en train d'être pénalisés dans plusieurs pays comme en RDC. Donc sur ces points-là, l'environnement est en train d'être protégé. Mais il reste à dénoncer, puisque quand on ne dénonce pas, il n'y a pas d'actions judiciaires qui sont entamées. Aussi, pour ceux qui sont des grandes entreprises qui polluent, comme l'a dit le président, je vous ai bien dit que le droit de l'environnement repose sur plusieurs principes. Il y a aussi, parmi ces principes, il y a le principe du pollueur-payeur. Et ils disent, comme nous polluons, nous payons, quitte aux États de mener des actions d'atténuation des gaz à effet de serre ou d'adaptation. Mais là, il se pose un problème. À deux moments, ces pollueurs versent l'argent, mais l'argent n'est pas destiné aux actions d'atténuation ou d'adaptation. C'est là que se pose aussi le problème. Voilà le complément que je voulais donner au commentaire du président. Merci. Thank you so much. Because we've run out of time, I'll take your question and we'll close. So you may proceed with your question. Thank you. Merci beaucoup, madame. Je me nomme Birahim Sek. Je suis le directeur exécutif de Transparency International Sénégal, mais également co-secrétaire du groupe de travail sur le secteur extractif du panel de haut niveau sur les flux financiers illicites de l'Union africaine. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec la conclusion du président, tirée également du groupe d'experts qui a proposé fondamentalement qu'on mette l'accent sur l'activisme judiciaire. Je pense que l'intérêt de ce consortium d'avocats, c'est d'aider les communautés à rentrer dans le droit, à protéger également l'environnement, mais surtout à protéger nos États. Il y a une forte éducation judiciaire que PALU, que les avocats doivent mener auprès des communautés pour défendre leurs intérêts. Nous avons été victimes du juge qui a déclaré une de nos actions
irrecevable parce que nous n'avions pas intérêt à agir, alors que c'était des arbres qu'on coupait près de la mer qui pourraient même provoquer l'avancement de la mer. Alors que nous sommes victimes de cette situation, de la déforestation de façon générale, et que cette forêt était une forêt classée. En réalité, c'est un acte d'écocide. Et c'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec le président qui a proposé fondamentalement qu'on réfléchisse sur l'activisme judiciaire, et j'aime bien ce mot. Le deuxième aspect également est qu'il faut impérativement qu'on réfléchisse sur la position africaine par rapport au changement climatique. L'Afrique est sous-industrialisée. Est-ce qu'on va suivre la conception occidentale du changement climatique jusqu'à délaisser l'utilisation de nos énergies fossiles pour développer notre économie, parce qu'on doit diminuer également la pression du gaz à effet de serre sur l'environnement. Donc il faudra ici qu'il y ait une réflexion entre le développement industriel, le développement économique de l'Afrique et le changement climatique. Et ce débat n'est pas encore vidé. Et la solution qui a été faite nous vient de l'Occident. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est le fonds vert. Le fonds vert n'est pas une solution pour l'Afrique. C'est l'industrialisation qui est une solution pour l'Afrique. Et qui peut être également un frein par rapport à la proposition qui a été faite tout à l'heure, c'est-à-dire l'exportation de produits qui ne sont pas fondamentalement bons pour l'atmosphère au niveau africain. Donc il faut qu'on réfléchisse fondamentalement sur notre développement social, développement économique, notre développement industriel par rapport aux propositions politiques qu'on nous fait sur le changement climatique. Troisième et dernier aspect. D'ailleurs, je suis un peu étonné que mon ami, l'expert du Congo, ne l'a pas évoqué. Parce que la RDC, fondamentalement, sera le champ de bataille pour le changement climatique. La RDC est le principal producteur de cobalt, ce minerai nécessaire pour la construction de batteries électriques, transportées en Chine, utilisées également en Europe. Et la RDC est le cœur de la production de cobalt au niveau africain. Et d'ailleurs, c'est une suggestion. Il serait intéressant, et c'est une suggestion que je fais également au président du PALU, il serait intéressant qu'il y ait un atelier, un grand atelier en RDC autour du changement climatique, autour également de l'exploitation du cobalt, parce que, qu'on le veuille ou pas, la RDC, c'est le cœur de la transformation énergétique, le cœur également du changement des idéaux du changement climatique au niveau africain, à partir de la production également de cobalt. Je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci, très cher confrère. Nous avons effectivement, avant de laisser la parole à mon confrère qui parlera bien de la RDC, je voudrais juste noter que nous sommes d'accord sur l'importance de l'activisme judiciaire dans ce combat et il faut effectivement qu'on continue de poursuivre sur cette voie. Sur la réflexion amenée sur la position africaine qui serait commune en matière de changement climatique, là également, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a déjà une prémisse. Le dernier COP qui s'est tenu en Égypte, il y a eu 5 chefs d'État africains qui étaient présents et qui ont amorcé une discussion ensemble pour parvenir effectivement à... Mais il est important que les experts africains et les communautés de juristes comme nous sommes ici puissent véritablement faire des propositions concrètes et qu'ils soient aussi disposés à nous écouter et à se servir de nos propositions. Mais je crois que la prémisse a quand même été lancée à l'occasion de ce COP-là. Ceci étant dit, je passe la parole à mon confrère qui parlera très brièvement. Pardon. Merci beaucoup. Un peu des minutes. Je voudrais rencontrer le commentaire de notre frère du Sénégal. Il dit l'Afrique
a droit à se développer, non pas sur le modèle que présente l'Occident par rapport aux défis liés au changement climatique. C'est vrai, parce que, comme je l'ai souligné dans mon résumé, l'Afrique, c'est un bon élève en matière de changement climatique. L'Afrique, c'est un bon élève. L'Afrique menace moins l'atmosphère que les autres continents. Maintenant, pour ce qui est de la RDC sur sa position mondiale, il y a déjà des ateliers, des conférences qui se sont tenues et qui vont se tenir pour l'exploitation non seulement du cobalt, mais aussi du lithium. Parce que pour les batteries électriques, il y a les deux minéraux qui entrent en compétition. La RDC a déjà pris une option. Elle s'est dit, moi, je ne veux pas exporter les minéraux à l'état brut, il faudrait que l'on installe des usines ici. C'est dans ce sens-là qu'il y a même un accord avec la Zambie. La RDC et la Zambie ont signé un accord pour installer une usine de fabrication des batteries électriques à Lubumbashi. Il y a aussi des accords qui sont en train de se négocier avec la France. Il y a des accords, j'ai vu aussi une délégation des États-Unis qui est partie à Kinshasa. Ils comprennent que la position du gouvernement maintenant, c'est de développer le pays, quoi qu'il y ait le problème des changements climatiques. Vous avez vu même comment la communauté internationale s'est soulevée quand la RDC a fait les appels d'offres sur les blocs pétroliers. La RDC s'est dit, j'ai le pétrole, je ne dois pas rester pauvre, puisqu'il faille que cela soit retenu. Les changements climatiques doivent rimer avec le développement durable et la réduction de la pauvreté. Voilà, pour ne pas abuser de temps, comment je peux aussi émettre un avis par rapport à ça. Merci. Thank you so much. I wish to thank the two panelists for their rich and insightful presentations. We have to use the law as a tool in which to protect our environment. We only have one environment, and now we are being told that as lawyers, we shouldn't help destroy our environment, but we should fight and use the law to ensure that our environment is protected and safeguarded. With this, I now close this presentation, the session for this morning. We'll break off for our tea. Sorry that we started late, so our next session will start at 11:15 hours sharp and not 11. So please come back at 11:15 for the next session. I wish to thank you all so much for being in attendance, and once again, thank you to the panelists. I also ask the panelists that there will be a photo session outside. Thank you.